Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un nouveau livre. Il s'agit du livre Les mandalas de cristaux d'Ethan Lazzarini. Je vais y arriver, qui a été publié aux éditions Améthyste, donc chez Alliance Magique. Donc je les remercie de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Voilà, bah déjà la couverture est très très belle. Hein. Donc ce sera vraiment un livre, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la façon de créer des mandalas avec des cristaux, des différents cristaux qui du coup vont activer des énergies entre elles, basées aussi sur des formes géométriques. Voilà, voilà. Donc on va lire ce qui est écrit au dos. Je suis désolée pour la lumière, il fait encore super mauvais aujourd'hui, donc j'ai dû allumer une lumière et du coup il fait un petit peu sombre, mais bon, il y en a qui aiment bien l'ambiance éclairée aux bougies, donc voilà. Donc, un guide essentiel sur les mandalas de cristaux. Êtes-vous prêt à puiser dans l'énergie de guérison et le pouvoir créatif des cristaux? Découvrez comment exploiter la puissance de la lithothérapie et de la géométrie sacrée pour amplifier vos intentions, focaliser votre esprit et manifester des changements positifs dans votre vie. Dans ce guide complet et pratique, vous apprendrez à créer et à activer des mandalas de cristaux pour vous-même, les autres ou pour votre lieu de vie, de travail, mais vous découvrirez également comment et pourquoi les mandalas de cristaux fonctionnent. Plus de 30 mandalas de simples à avancer vous attendent pour intégrer dans votre vie l'énergie des cristaux. Donc, il est au prix de 18 euros. Voilà, voilà. Bah déjà, la couverture est super belle. C'est sur du papier glacé. J'ai mis le petit mot que j'ai reçu des éditions. J'aime bien, je conserve tout moi, j'aime bien. Alors, voilà, exploiter le pouvoir des cristaux et de la géométrie sacrée pour manifester l'abondance, la guérison et la protection. Donc ici, on a une photo d'Ethan Lazzarini, je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Donc il est auteur et blogueur qui vit au Yorkshire, en Angleterre, et il travaille avec les cristaux depuis plus de 25 ans. Voilà, donc ici, il a fait une petite dédicace. Vous avez tout ce qu'il a écrit. C'est un livre qui a été traduit de l'anglais, hein, donc il en a fait plusieurs en anglais. Vous allez entendre encore une fois Garfield parce que malheureusement, il veut aller dehors. Et dès que j'ouvre la fenêtre, il reçoit deux gouttes sur la tête et il rentre. Et deux secondes après, il repleure pour ressortir. Voilà, bah, sacré Garfield. Donc, les infos d'Alliance Magique. Ici, des avis par rapport au livre. Ici, on a un magnifique mandala. Voilà. Alors, on a une introduction. Il est divisé en beaucoup de parties. J'ai regardé là tout de suite, il me semble 12, mais je ne suis même plus dessus, j'ai oublié. 11 parties. Voilà. Donc, on a une première introduction et comment utiliser ce livre. Ensuite, on a la première partie, l'histoire et l'origine des mandalas de cristaux. En deux, comment fonctionnent les mandalas de cristaux? Bon, là, il nous parlera de cristaux, de la géométrie sacrée, justement, numérologie, manifestation de notre intention, une approche holistique et équilibrée, le losange du mandala de cristal. Alors, le 3, le guide de la géométrie sacrée. Ici, on va nous parler des figures, hein, comme le cercle, une spirale, étoile de David. Ennéagramme, graines de vie, fleurs de vie. Les outils et les bases pour faire des mandalas. Du coup, là, on va nous parler des pierres centrales, pierres de soutien, pointes de cristal, etc. Comment préparer votre mandala de cristaux. Soins et entretien, du coup, des mandalas, si vous les laissez poser, du coup. Comment dynamiser ses intentions. Mandala de cristaux élémentaires, donc là ce sera les élémentaires. Autres mandalas de cristaux qui sont eux plus complexes, donc vous voyez, il y en a un paquet. Hein. Créer vos propres mandalas de cristaux, ça c'est chouette aussi, et alors résoudre les problèmes. Voilà. Donc on a l'introduction. Ici, il va nous expliquer qu'il a entendu parler des mandalas de cristaux pour la première fois il y a bien des années. Etc. Comment utiliser ce livre. Et regardez-moi cette photo quand je l'ai ouvert. Waouh, magnifique. Ça fait très automne en plus. On est juste dedans. Et il est illustré avec de magnifiques photos de mandalas de cristaux, évidemment.
Ici, on va nous parler de l'histoire et l'origine des mandalas. Voilà, bon, ça, je vous laisserai lire la surprise si vous les achetez. Hein. Si vous l'achetez, plutôt. Voilà, regardez-moi ça, comme il est beau. Bon, là, c'est déjà très complexe, hein, parce qu'il y a un nombre énorme de pierres. Comment fonctionnent, du coup, les mandalas? Là, on va nous parler cristaux, lithothérapie, la géométrie sacrée, numérologie, manifestation, notre intention, c'est ce que je vous ai dit. Tu viens dire bonjour, Garfilo? T'es où, Garfilo? Alors, une approche holistique et équilibrée. Bon, vous aurez tout. Vous aurez eu Garfield et le coucou. Tout bonus. Voilà. Alors, en chapitre 3, le guide de la géométrie sacrée. Ah oui, alors ici, on va nous parler des différentes figures. C'est ce que je vous ai dit là tout de suite. Par exemple, ici, le cercle. Bon, on a la représentation d'un cercle. Hein. Bon, ça, je pense qu'on sait tous ce qu'est un cercle. Mais les autres, comme l'énéagramme, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. J'ai oublié ça. Alors, les mots-clés, vibrations numériques, histoire et symbolique. Et on a ça ben, pour les différents, la spirale, par exemple ici, Vesica Piscis, je ne connais pas. Bon, il y en a qui sont plus connus, évidemment. Hein. Mais du coup, voilà, l'énéagramme et énéagone, je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà ce que c'est un énéagramme. Voilà, donc c'est toujours chouette, la fleur de vie, j'adore les fleurs de vie. Cube de Métatron. Et je sais que sur Internet, il y a moyen aussi de télécharger, par exemple, la figure du cube de Métatron que vous pouvez imprimer, par exemple, sur une feuille A4 et vous voyez directement où poser vos cristaux. Parfois plus facile d'avoir le plan en dessous. Outils et bases pour mandala de cristaux. Oui, là, on va nous parler des pierres centrales, celles qui sont le plus recommandées. Pierres qui seront pour le soutien, activation, pierres roulées. Oui, parce qu'il y a des pierres qui activent les pouvoirs, on va dire, des pierres qui sont autour. Les pointes de cristal. Garfield, t'es embêtant, chérie. Oui, chérie, t'es embêtant. Dis. Alors, les guides des différentes formes de cristaux. Va faire de dos, chérie. Les formes de cristaux, du coup, hein, les crânes, les pointes de cristal, ben, j'en ai une ici, justement, voilà, que j'avais acheté sur un marché médiéval. Voilà, les cœurs en cristaux, cristal de Merkaba, l'étoile, hein, bon, voilà. Hein. Et ici, on nous explique un petit peu, du coup, voilà. Oh, les illustrations sont vraiment belles. Hein. Cristaux recommandés pour les mandalas, du coup, ben, pointes de cristal. Voilà, notes et photographies, les cartes, matrice de mandala de cristaux. Ah ben c'est ce que je voulais vous dire, voilà, pour les gens qui veulent avoir, voilà, que dans ce livre vous trouverez un lien vers un fichier PDF imprimable avec toutes les matrices de mandala cristaux de ce livre. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais, qu'il y avait moyen de trouver sur Google, mais non. Vous avez ici dedans directement le lien pour télécharger du coup le plan. Si vous avez besoin d'un plan, moi sincèrement, je préférerais avoir un plan à imprimer. Voilà, on va regarder après si on voit où sont les liens. Comment préparer du coup son mandala de cristaux, purifier ses cristaux. Il y a plusieurs façons du coup. Consacrer de nouveaux cristaux. Il est vraiment complet, hein, la méthode d'activation par baguette. Ça, je connais. Pas spécialement, elle est bien détaillée du coup. Hein. Direction du coup de la baguette d'activation, méthode tout en un. Je vous avoue que j'en ai jamais fait hein, des mandalas. C'est quelque chose que je trouve super beau, mais j'en ai jamais fait. Voilà comment les activer. Réflexion sur la disposition d'un mandala de cristaux. Idée d'emplacement feng shui. Soins et entretien de vos mandalas, épousseter les mandalas, oui c'est ça, si vous les laissez longtemps en place, évidemment, ils vont prendre la poussière, donc il faudra les épousseter, voilà, donc il va nous donner des conseils, purifier les mandalas, les pyramides de cuivre, désactiver un mandala, comment le faire, voilà, en plusieurs étapes, celui-ci est beau aussi, hein. Dynamiser vos intentions, cristaux de poche, comment programmer un cristal,
des sachets pochettes à cristaux, pointes de cristal de roche, bijoux en cristal, affirmations, visualisations, tableaux de visualisation, est vraiment complet. Hein. Déprogrammer des cristaux avec la marche à suivre. Voilà. Mandala de cristaux élémentaires. Oui, là, c'était les quatre mandalas. Ah, bah oui, ici, voilà. Ouais. Il dit que... Ouais. Matrice. Matrice de mandala de cristaux. Ouais. Ah oui, il nous dit laquelle c'est en fait. Voilà. Mandala de cristaux élémentaires pour l'abondance. Ce qui est chouette, bah, il nous explique un petit peu. Il nous donne des conseils. Les cristaux utilisés, par exemple ici, une citrine, grosse ou moyenne. 6 pointes de cristal de roche. Alors, bah, il nous dit laquelle il va falloir télécharger et imprimer si on veut. Signification de la géométrie sacrée. Il va nous parler de la pierre centrale. Et vous voyez, c'est super bien expliqué. On vous montre bah, du coup le schéma et on vous y a les numéros avec comment placer les cristaux, la pointe vers l'extérieur, etc. Tout ça est vraiment très bien expliqué. Et alors, on a même la déclaration d'intention. Voilà. Ici, ce sera pour la guérison, la protection et les relations. Autre mandala de cristaux complexes. Oui, voilà. Et on trouvera toutes les matrices de mandala de cristaux utilisées dans le fichier de matrice de mandala imprimable qu'on trouve sur son site, du coup. Voilà. Bon, et alors ici, on est vraiment dans les plus complexes, hein, du coup. Mandala de cristaux tous usages, de lien avec les anges, pour purifier le foyer. Je vais pas tous vous les montrer parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Pour avoir la foi et l'espoir, augmenter l'énergie, pour cristaux du but de la vie, il y a vraiment de tout, hein, pour un nouveau commencement, paix et harmonie, guérison personnelle, voilà, mandala de cristaux pour la protection, pour le développement. Bouclier pour le développement psychique, mandala cristaux pour l'amour de soi, de cristaux pour la guidance spirituelle, pour soulager le stress par exemple. Et alors ici, je crois que j'ai pas passé de chapitre, il me semble. Non. On arrive ici à comment faire. Du coup, là, c'est déjà plus élaboré pour créer vos propres mandalas. De cristaux, donc comme établissez votre intention, explorer divers choix de cristaux, choisir les formes géométriques, concevoir son mandala, sélectionner ben, sa pierre centrale du coup, votre propre pierre, hein. Sélectionner votre pierre de soutien, considérer la circulation de l'énergie, tout assembler, c'est bien expliqué, vraiment. Résoudre les problèmes, eh ben là par exemple le timing divin, pensée négative et croyances restrictives, est-ce que vous agissez? Bon là c'est si jamais un problème intervient. Hein. Comment est votre espace sacré? Purifier à nouveau le mandala, affiner votre mandala de cristaux, pensez à réactiver le mandala, nettoyage des chakras, regardez-moi cette photo comme elle est belle, waouh! Postface, voilà, un petit mot, bibliographie, en anglais, crédit photo, si on a aimé, bah, le livre, évidemment. Et alors, on vous conseille celui-ci, que le dictionnaire de lithothérapie holistique, que je vous ai présenté dans une des vidéos juste avant. Si vous l'avez raté, vous la retrouverez dans la playlist de présentation des livres. Je pense que ce dictionnaire... Plus ce livre ici pour les mandalas, vous êtes parti pour avoir déjà pas mal d'infos sur les cristaux. Vraiment, parce qu'évidemment, dans le dictionnaire, on ne parle pas... C'est pas aussi détaillé les mandalas que dans celui-ci, forcément. Bon, et de nouveau, protection par les pierres d'Amandine Forestier, que j'adore. Le livre Cristaux pour débutants, qui est génial, que j'adore. Équilibrer ses chakras par les cristaux, j'adore. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore, je vais aller voir. Est-ce qu'il est déjà sorti? Non, voilà, il me semblait bien. Pourquoi je ne l'ai pas encore? Parce qu'il est à paraître. Je l'avais déjà vu, celui-là, mais
Il n'est pas encore sorti, ben voilà, ça explique tout. Voilà, donc ben, pour tous ceux qui étaient pressés que je fasse la vidéo, ben, j'espère du coup qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est un livre qui vous intéresse, pour lequel vous avez envie de craquer ou pour lequel vous avez craqué, ou si vous êtes déjà adepte, qui sait, vous faites peut-être déjà des mandalas de cristaux. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tous ensemble, comme d'habitude. Encore un grand merci aux éditions Améthyste hein, pour ce magnifique livre. Et pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.